Wait, Captain. The Huts want their spice back. We gotta jump to hyperspace or we're dead. Come on, flip the bypass button for the hyperdrive. Oh! Hey, salut tout le monde, c'est Joe. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans une toute nouvelle aventure sur Star Wars. Et on va activer les boutons. Hop. Ok. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes sur. Wow! Génial. Nous sommes sur Star Wars Vader's Immortal sur Oculus Quest. Alors Oculus Quest, qu'est-ce que c'est? C'est un casque VR comme vous pouvez le voir. Je peux bouger les mains, je peux faire ouh, je peux faire coucou. Alors, j'ai juste vérifié un truc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'elle nous parle en français ou qu'elle ait le traduction? Non. Audio. Voice. Ah. Malheureusement, on n'aura pas le choix, ce sera en anglais. Accessibilité, non. Bon, c'est pas grave. Désolé pour ceux qui ne sont pas anglophones et qui ne savent pas très bien parler anglais, mais on fera assez. You know, it looks like we're going to be in hyperspace for a while here, so feel free to go back and check our loot. You name it. Sky's the limit. Ok. Donc, on a là pour tourner. En fait, vous voyez, j'ai des petites manettes comme ça, j'en ai deux dans les mains. Et... oh ok. Et on Captain, peut bouger. Donc, on... elle nous dit d'aller se relaxer le temps qu'on est dans l'hyperespace. Bah, très bien, on va aller se relaxer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux prendre? Attendez, c'est génial. On est dans Star Wars. Oh, un frisbee. Alors, si vous voyez. Je sais pas si. Oh. Ok. Je sais pas si vous voyez, il y a des limites, en fait, ça limite le mon air de jeu. Oh, je peux prendre un objet. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une main. Ah, the hand of Saint Scorpius. Oh, that trouble on Jedha just to steal an artifact that nobody even wanted. I mean, how was I supposed to know the locals considered it cursed? I don't know everything. A little heads up from the hand would have been nice. Hop. Bah du coup on peut le mettre... Oh. On a un casque. J'ai double casque. Par contre c'est chiant. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Puis là. Tourner. Oh, tirer. Scrag. Looks like we took some damage back there. Well, I try to reroute the power. Why don't you go ahead and scan the ship? Ah, d'accord, ok. Donc là, c'est notre vaisseau. Et si on tourne ça, en fait, on le scanne. Là, il y a un problème. Well, looks like the main sensor antenna has been damaged. All right. Let's switch to backup. Là, on va le soigner. On va réparer le truc, là. Le bouton, là. J'ai aucune idée. Oh, bah, attends, c'est même pas écrit en... Ok. Ensuite, là, un autre problème. Well, the deflector shields are totally offline. One more hit and we would have been toast. Alors par contre, vous allez rire, mais j'ai quasiment jamais vu Star Wars et j'ai aucun souvenir de l'histoire de Star Wars. Donc, on sera pas pour ça. Alors, on est plus là pour découvrir. Something's wrong, Captain. Let's go check it out. Ok. Bouton, bouton au pif, bouton. Ah, ça vibre. Oh, oh. Eh, c'est stylé. Oups. That's impossible. Something's pulled us out of hyperspace and put us down in the Atreides sector. We're in the outer rim. Ah, oups. Oh. This is Admiral Carius of the Galactic Empire. Surrender control of your ship immediately. This is ZOE3, first mate on the Windfall.
Zoe to my friends. There must be some mistake, Admiral. The Windfall is a humble salvage vessel. Anything short of immediate compliance will result in your destruction. Ok, bon, on va se faire casser my la gueule. Admiral, sorry about that. Slaving our ship's guidance to your Imperial control now. Ugh, Scrag. Well, we didn't do anything that bad. Mustafar's a mining crater. Why are the Imperials taking us there? Ah non, on est en train de... Oh. On peut faire quelque chose après, je sais pas. Oh, stylé. Alors je peux pas me déplacer là en fait, c'est un peu chiant. I got a bad feeling about this, Captain. Ah merde. Bon, a priori c'est pas très bien ce qui se passe. Oh, il y a plein de petits gens là. J'ai vraiment aucune culture de Star Wars, alors je peux pas aider là-dessus. Oh, stylé. Bouton. I'm officially worried, Captain. Open your door. Just a moment. Sorry, we're having... Ah. What the fuck? Oh, putain, ça m'a fait sursauter. Voilà. Non, don't move, scum. Putain, c'est impressionnant. You've caused us considerable inconvenience, smuggler. Smugglers? Who said we were smugglers? Silence the droid. No! Take them both to the holding cells. Oh bah salut. Putain, What? Putain, c'est... Oh la vache, c'est ultra stressant. Putain, ça fait peur. L'immersion est totale en fait, c'est incroyable. Donc nous sommes en voilà. You're awake. Good. My name is Admiral Carius. In a moment, Darth Vader, Lord of this monolith, will give you a task at which you will undoubtedly fail. A word of advice. Do not anger Vader. Bon, putain, il m'a recroisé Dark Vador, les gars. Cooperate. And I promise you a merciful death when he's through with you. You are not the first candidate to fall under his scrutiny, and you will likely not be the last. Oh putain! C'est Dark Vador! Oh putain! Voilà. Il a l'air vénère. Il y a un mec en prison là. Wesh! Il fait deux têtes d'homme plus que moi. Wonder why I have brought you here. You are required to perform one simple task. Qu'est-ce que c'est? Je peux t'aider? Vas-y, donne. Open this configuration and I will spare your life. La magie. Bon, ok. Alors, il faut. Oh. Oh. By the core. C'est
suis en train de collaborer pour les méchants là. Oh. Ah tiens. Ah. Bon bah voilà. This is the one I've been searching for. Wesh, je suis le meilleur. Voice ID. Admiral Gabe Carius. I will fend for you shortly. Putain, c'est impressionnant. Le mec il t'arrive là. Enfin en fait je suis pas très grand. Je pense que le jeu. C'est super bien fait ça brille là. Come closer, you. Come here, they must hear us. Voilà, toi t'es dégueu. No one's been able to do that for eons. Vader's been scouring the galaxy for someone of your bloodline. What bloodline? What are you talking about? Also, please introduce yourself. Who are you? Vylip Forma, lore master of my cavern clan. Uh-huh. And why should we trust you? Do you want to get out of here? Then listen. Now that Vader's found you, he's in reach of enormous power. He means to conquer death itself. Countless lives are in danger, including your own. You must escape this planet. Yeah, way ahead of you on that, lore master. Except I can't reach it. Is to access the main breaker. Oh. Wait, you have a hydro spanner? I don't want to ask, but where have you been hiding that? Don't tell. You know what? I don't want to know. Oh. Je comprends pas. Faut que je laisse ça comme ça? Oh. That sounds promising. Ok. MDR. Hey, oh, je suis bon. Wow, you did it, Captain. Thanks, Vylip, Violet, was it? I was technically not listening. The door is activated by voice print. Okay, no offense, but this is not our first jailbreak. Step aside, please, and keep quiet. I can simulate the Admiral's voice. Voice ID, Admiral Gable Carius. Voice ID, Admiral Gable Carius. Voice ID, Admiral Gable Carius. This way. Okay. Hurry. Oh, calme-toi. Bon, bah, on le suit, hein. Du coup, on a toujours ce outil, en fait. On a comme une ceinture. Mais en fait, oui, du coup, je disais, je suis plutôt petit. Je fais 1m70, même pas. Et peut-être que ça prend en compte ma hauteur, donc... ok. La carte, là. Good, good, good. Ok. I think we may make it. Ah merde! Hey! How did you... Oh. Il y a des théoristes, là. Une petite team de théoristes. We better move before any more guards arrive. Ok, faut que je me mette là, je pense. Alors oui, en fait, je peux aussi tourner ma vision. Vous voyez, je peux tourner le casque, comme ça, et je peux aussi tourner la vision avec un joystick. Ça fait très mal aux yeux. Donc, on va éviter. Oh. Ah, c'est notre vaisseau, là. There's the windfall. That's our ship. We gotta find our way down there. Quickly, let's move. Oh, tu peux pas me donner ton flingue là? Putain, donne-moi ça toi. Non, this place will be swarming with troopers in seconds. This is Admiral Carius. All personnel alert. Prisoners have escaped. Lock down the hangar and secure all exits. Ah, we'll never get to our ship now. Là, je peux ouvrir. You'll have to find the priestess of my clan. Down in the caverns beneath us, she's your only way off Mustafarna. Take my lore totem. It will help her find you. I'll hold them off! Find the priestess! She's
elevators are going into lockdown. The only route is via these private chambers above us. No telling what's up there. But it can't be worse than this, right? Oh. Secure stations, secure stations. Prisoners have escaped. Locking out all service elevators and doors. We're sitting bloggins in here. We'll have to find another way out. I can't override the controls. Can you try? J'en étais sûr qu'il fallait que je fasse ça. C'est le seul truc que je sais faire. What? Pourquoi ma main est décalée là? Okay. See if your hydro spanner will let you override the controls. Cette fois j'appuie sur le bouton, que je tire, non? Ah, what? C'est un peu buggy. Hein. Alors faut tirer, je pense. Alors tourner la poignée. Tourner ça. That's it. The hatch is opening. What? Ah. Okay, there's a leak. Oh, thank the maker. Ray out. Okay. Follow me. Une échelle. Oula. Oh! Stylé. Oh, putain. Hey, c'est... Oh! Alors ça serait sympa, mais c'est assez déstabilisant. Oh, c'est stylé. Putain. Ne pas regarder en bas. Hop. T'es où? Là-haut? Right, from here on out, can we just stick to places that don't require climbing, please? Hop. Et pourquoi tu fais pas? C'est quoi ce petit truc? Oh, I hate those things. Bah vas-y, va devant. Pas à doubler en fait. Ah, according to the nav route, we can get out through those shutters. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Génial! Oh. Ah. Oh putain. Fire train detected. Prepare for combat. Oh. Eh, c'est chaud. Et c'est génial. Ok, allez, on sort. Oh, bon. Ça se voit que c'est qu'une grande image. Le jeu n'est pas très bien détaillé parce que l'Oculus Quest est un casque de VR particulier. J'en parlerai dans une vidéo si les vidéos sur la VR, en particulier si la vidéo sur la VR vous plaît. Mais voilà, il y a quelques restrictions et là on voit clairement que ces restrictions et qu'il n'y a aucune sensation de distance quoi. À part là, parce que c'est modélisé en 3D. Ok, il y a un ventilation shaft juste above us, which means we have to go even higher. So, great news for me. Ici. Oh, oh, putain, oh, 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 putain. Yes. Merci. Psst, psst.
Attendez, on va faire un truc. Et voilà. Ok. Faut peut-être là. Oh. Putain, je suis dans le mur. Putain, je suis petit sacré. Hein. Ok. Donc là, je suppose. Oh là là. C'est bien, ça éclaire aussi. Alors par contre, comment ça se passe? Try heating it up first, then cutting slower. Oh putain, c'est stylé. Alors ça, par contre, c'est pas très légal. Bon. Putain, je suis petit. Ah, y a un petit truc à voir. Ok, c'est Dark Vador là. I have no doubt. You found a descendant of Lady Corvax then. One of the last it would seem. Unlike the others, this one activated the artifact. Corvax? Is that what Violet meant about your bloodline? Vas-y, vas-y, passe. Putain, en descendant, ça... Oh, c'est aussi chaud en descendant. Ok. Il est chaud, Dark Vador. Bon bah il est vénère, Dark Vador. You'll have to find the priestess of my clan. Down in the caverns beneath us, she's your only way off Mustafar now. Take my lore totem. It will help her find you. Cavern, priestess, totem. Is there any version of this plan that doesn't end up with us being dead? Captain? Whatever happens, it's been a good run. Ok, elle va crever. Wow. Wow. Look at this. Look at this place. Mais juste avant de sortir, ça va être la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette nouvelle série vous plaira sur Dark Vador ou Vador Immortal de Star Wars en VR. Dites-le moi si vous avez aimé ce genre de vidéo et n'hésitez pas à mettre le pouce bleu ou comme ça, je sais pas, ou même deux. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une aventure, c'est Zion, ciao tout le monde.